Parashat Vayeshev, on va parler de la mitzvah Pourovu. C'est quoi cette mitzvah Pourovu? Se multiplier et pulluler. Voilà, moi, ça veut dire avoir des enfants. Grande famille, Bezrat Hashem, que je vous souhaite à tous. Voilà, alors quel est le rapport avec la Parashat de Vayeshev? La mitzvah de Pourovu avec la Parashat de Vayeshev. Alors il s'est passé quelque chose dans la Parashat de Vayeshev. Yehuda, il a, vous voyez ici les passouf, il a pris une femme pour, il a cherché une femme pour son fils qui s'appelait Er, son aîné s'appelait Er. Alors il a cherché une femme pour son fils Er qui s'appelait Tamar. Et alors on nous dit ici, Vata, Vatel et Ben, Vayikretchmo Er. Donc Yehuda, il s'est marié avec elle. Femme, il a eu un premier fils qui s'appelle Er. Vatar, Od, Vatel et Ben, Vayikretchmo Onam. Il a eu un deuxième fils qui s'appelait Onan. Vatosef Od, Vatelet Ben, Vatikretchmo Shela. Puis il a eu un troisième enfant qui s'appelle Shela. Vayabirsi Velin Taoto. Vayikar Yehuda Isha, l'air Bochoro. Et voilà, Er il a grandi, il n'est pas resté bébé toute sa vie. Alors Yehuda a pris une femme pour Er son premier-né, Ushma Tamar. Vayi Er Bochor Yehuda Rabbeine Hashem. Er était mauvais aux yeux d'Hachem, et il me sait où Hachem, Hachem l'a tué. Il est mort. Mais Yomé Yehuda l'Onan, Yehuda a dit à Onan, Bo el eshet achicha. Onan, tu es le frère, tu fais faire la mitzvah de Yiboum, eh bien, marie-toi avec Tamar, mais Yabemota, fais le Yiboum, va kemzer al achicha, et ainsi tu vas donner un enfant à ton frère. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Yeda Onan ki lolo yihazara. Onan a su que l'enfant ne serait pas à lui. Vaya imba el eshet achiv, lorsqu'il avait une relation avec la femme de son frère. Veshichet arza. Et veshichet arza, il y a deux explications. La première, c'est que c'était un cueil interrompu. Avant que le semence sorte, il sortait de sa femme. Alors, les viltin de Tozera l'Achi, il ne voulait pas donner la semence à son frère. Vayera peine Hachem Asher Asa, ça déplut à Dieu ce qu'il a fait. Vayamed Gamoto, il a tué également lui. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Quelle était sa faute? Il n'a pas voulu se multiplier. Alors vous voyez maintenant, Parshat Bereshit. Tout est bien de la page. Va yivre Elohim et Adam et Salmo, et Selem Elohim bara oto, Zachar de Keva bara ota. Dieu a créé l'homme à son image, des êtres créés mâles et femelles. Va yivre Chotam Elohim les morts. Dieu les a bénis en disant Va yomelem Elohim, pour vous, multipliez-vous, ou milou et aaretz, emplissez la terre, ve kifshua, dominez-la, ou rudou, bit gatayam. Dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes qui rampent sur la terre. Alors, c'est quoi cette mitzvah de Pourovu? De dominer le monde. C'est de dominer le monde. À dire que voilà, c'est que la nature, Baruch Hashem, belle nature, il ne faut pas la casser, bien entendu, mais il faut la dompter. Il faut la dompter, il ne faut pas laisser le monde dans le désordre. D'accord? Alors vous voyez, le chidouk il explique, Mishorashem mitzvazou, les racines de cette mitzvah-là, d'avoir des enfants, que dès olam yusha, que le monde soit habité, Shashem baruchu chafez beyishuvo, le Saint béni soit-il, eh bien, désire que le monde soit développé. Que dit-il? Comme il est dit, « Lo le taou bra'a, la chevet yitzara. » Dieu n'a pas créé le monde pour le vide, mais pour qu'on s'installe. « Vehi mitzvah gedola » dit le chinuch. Vous savez qui c'est le chinuch? On ne sait pas très bien qui est l'auteur. On pense que c'est Rabbi Aaron Alevi, un talmide du Ramban. Donc c'est un rishon. C'est encore... Vous savez ce que c'est des rishonim? Ce sont les entre les années 1000 et 1500.
elle est commentateur de la Gemara, etc., ou de la Torah. Alors, le Sefer HaChinuch, il a écrit un livre où il nomme les mitzvot selon l'ordre des parashiot. Chaque parasha, dans cette parasha, quand il y a des mitzvot, il explique les mitzvot. Il explique aussi le sens des mitzvot, le pourquoi des mitzvot. Que les mitzvot gedola, c'est misibata mitkeimot kol mitzvot baola. C'est grâce à cette mitzvah-là qu'on peut faire tous les autres commandements. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas personne qui peut faire les mitzvot. Qu'il est venu à Adam, dites-nous, voulons le malheur à charrer. Les mitzvot ont été aidés à l'homme et pas aux anges. Venons heget, bechol makom, bechol zman. Cette mitzvah a lieu en tout endroit, c'est pas seulement dans l'Eretz Israël, en toute époque. Bechayav, Adam, nistadelba, mishu raoula. L'homme doit s'occuper, il va faire des efforts. Pour avoir des enfants, il faut se marier. Alors, il faut faire des efforts. Mishu raoula. Depuis qu'il en a la possibilité, voisman shenatnu chachamim tefra nevracha lisa isha. Alors il dit, mitzvah zo eno mutelet al anashim, c'est l'obligation des hommes de chercher une femme et de se marier. Va mevatla bitel ase. Celui qui annule cette mitzvah, annule un commandement positif. Va onsho gadol meod. Sa punition est très grande. Shebare batsmo, il montre de lui-même. Qui ne veut pas faire ce que Dieu veut, que le monde soit installé, soit développé. D'accord? Donc on nous dit ici qu'avoir des enfants, c'est une très grande mitzvah. Et le problème de Erv Onan, en tout cas de Onan, après Erv a expliqué, c'était de ne pas vouloir avoir des enfants. Pourquoi Onan n'a pas voulu avoir d'enfant? Est-ce qu'on a peu comprendre ce qui est marqué? A priori, c'est difficile. Pourquoi Onan ne voulait pas avoir d'enfant? Il y a une mitzvah que quand un frère il meurt, qu'il meurt sans enfant, un de ses frères, s'il a un frère, il se marie avec sa femme pour qu'il ait des enfants son nom. Et donc, Onan, il ne voulait pas faire des enfants à son frère. Ouais, il ne fait pas un enfant à son frère. Parce que finalement, c'est le sperme de qui? De lui. Et la femme, c'est la femme avec laquelle il vit. Quand? Alors, ça veut dire quoi ça? Yibour, il fait un enfant à son frère. Il ne fait pas un enfant à son frère. Pour que leur donner le nom. Ouais, c'est ça. Et puis se marier avec qui il veut. Et puis son frère s'appelait Yitzhak. Il en a un Yitzhak. La descendance de son frère. Ouais, parce que la... Oui, mais c'est pas descendant de son frère, puisque c'est pas le sperme de son frère. Oui, mais ce que je comprends, c'est que la mitzvah, elle dit que l'enfant qu'il a avec cette femme, il sera au nom de son père. Ça sera à la place de Ben Onan, ce sera Ben Er. Ouais. Non. Non, on l'appelle à la Torah, on l'appellera Ben Onan. C'est le fils de Onan, mais pas le fils de Er. C'est difficile à comprendre cette histoire. La notion des hiboum est difficile à comprendre. Alors, on va tâcher d'expliquer un petit peu. Voilà, je vais raconter quelque chose. Il y a un rabbin, un jeune rabbin, Avraham Stav, qui a écrit un article dans un journal qui s'appelle Asia, un périodique qui s'appelle Asia. Asia, c'est un périodique qui est sorti par l'hôpital Shaaret Tzedek. Il y a des gens qui sont à la fois Talmidei Chachamim, à la fois des médecins, et qui ont fait un périodique sur l'éthique médicale. Alors, il y a un article de Avraham Stav. Alors, ce qu'il a écrit, et puis moi, je n'ai pas été d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas été d'accord. Mais d'abord, vous dites ce qu'il a écrit. Il a écrit, s'il y a quelqu'un qui décède, et puis il est encore célibataire, comme le malheureux qui a été assassiné il y a deux jours, eh bien, il faut tout de suite après sa mort, il faut, tant qu'on a la possibilité, il faut sortir un peu de sperme, qu'on peut encore sortir, le congeler, et puis trouver ensuite une femme à qui donner ce sperme afin de lui assurer une descendance. C'est très beau. Hein? Et puis moi, je suis pas d'accord. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que on ne fait pas des enfants avec n'importe qui. Avec un mort,
Non, même le mort, lorsqu'il était vivant, il avait 26 ans. Il allait peut-être aller à quelqu'un. Et il ne va pas avoir une relation avec une femme pour avoir un enfant si ce n'est pas une personne qu'il aime. On choisit, non ? On choisit la personne avec laquelle on va créer une famille. Hein? Ah, si il est mort, il ne peut pas choisir. Hein? Si il est mort, il ne peut pas choisir. Ben, le mort, il ne peut pas choisir. Et tu ne peux pas choisir pour lui. Non? Qui te dit qu'il serait d'accord qu'on donne son sperme à Jacqueline? Hein? Ah, il y a des gens qui font du don du sperme, c'est autre chose. Ils sont d'accord. D'accord? C'est pas si c'est... Moi, j'aime pas tellement ça. Je pense, parce qu'on va créer des enfants dont le père est inconnu. D'accord? Maintenant, laissons ça de côté. Moi, lui, il est d'accord. Lui, il n'a pas donné son accord. D'accord? Alors, il faut bien comprendre que dans le judaïsme, on a une relation avec une femme qu'après s'être marié. On se marie. Et ensuite, on a une relation sexuelle. Et pas le contraire. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'amour passe avant le sexe. Ça va dans le bon ordre des choses. Et par conséquent, dire, on ne peut pas, s'il a demandé, c'est une chose. Ou si c'est une personne avec qui il pensait aller se marier, c'est peut-être autre chose. Mais sans cela, on ne peut pas prendre. Parce que là, on va essayer maintenant de comprendre le hibou. Quelqu'un qui se marie avec une dame, donc il a cette femme, cette jeune fille avec laquelle il va se marier, et bien c'est par elle qu'il va assurer la continuation de sa famille. Quand? Parce qu'un être humain, c'est pas un être humain qui... Et aujourd'hui, très souvent, surtout en Occident, chacun y vit sa vie. C'est pas exactement comme ça. On fait partie d'une famille. On continue, on poursuit quelque chose. Hein? On poursuit quelque chose. Alors, quelqu'un qui va se marier, eh bien, il va amener dans sa famille, eh bien, l'âme, les qualités de la femme avec laquelle il a décidé de se marier. Hein? Alors, il a décidé, il s'est marié avec Tamar. Donc il a entré Tamar dans la famille de Yehuda. Il est mort malheureusement. Qu'est-ce qui reste de lui? La femme qu'il a choisie. Alors Onan, si s'était marié vraiment avec Tamar, eh bien il assurait dans la famille que Tamar reste dans la famille celle par qui on va assurer la continuation du grand-père Yehuda. D'accord? Maintenant, Onan n'a pas voulu. Elle dit, moi, Tamar ne reconnaît pas, moi. Elle ne me convient pas. Elle n'est pas assez belle. Hein? Moi, j'ai des copines. Hein? Je vais choisir parmi elles. Hein? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est Marlok a tenté pour ce qui, mais en tout cas, les poskim ashkenaz, dans la Gemara, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Yiboum ou Khalitsa? A priori, la mitzvah de la Torah, c'est de faire Yiboum. Pourquoi il y a des gens qui disent qu'il faut faire Khalitsa? Vous savez ce que c'est Khalitsa? C'est annuler le Yiboum. Hein? Eh bien, la raison, c'est parce que le Yiboum doit se faire les Shem Shamaim. Doit se faire pour la mitzvah. Et ce n'est pas les Shem Shamaim, c'est comme tu te maries avec la femme de ton frère, ce qui n'est pas permis. Quand? Il y en a qui disent alors Khalitsa Kodemet le Yiboum. Mais aujourd'hui, on fait rarement le Yiboum. Le Rabbi Yosef dit que ce n'est pas vrai. Nous, les Sfardim, on est possèdés que Yiboum Kodem Khalitsa. On ne craint pas cela. C'est là? Voilà, parce que l'idée du Yiboum est une idée magnifique. C'est de laisser dans la famille la personne que le frère a choisie. Alors, un n'y voulait pas. Après, à l'époque, il pouvait avoir plusieurs femmes. Il pouvait avoir plusieurs femmes aussi, oui. Donc, il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais l'idéal du judaïsme a toujours été une seule femme. Parce que comme la Torah nous dit dans Parshat Bereshit, « Bayou le basar echad » Quand? Mais tu vois, Abraham, il avait une femme vraiment qui l'a aimée. Et puis Yitzhak, il n'en a qu'une. Et il n'a jamais eu d'autre. Et puis Yaakov, en fait, il y en a une qui l'a vraiment aimée, c'est Rachel.
Qu'est-ce que tu es en train d'expliquer? Alors ça, c'est la notion des Yiboum. C'est d'assurer la continuité du frère, pas parce qu'on va donner le nom, mais parce que la femme qu'il a choisie reste dans la famille. Et ça, Anna n'était pas intéressée. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, donc il avait une relation avec sa femme. C'est une relation unique, c'est plus une relation d'amour, parce que tu n'aimes pas cette personne. C'est une relation biologique pour avoir ton plaisir physique, d'accord, mais sans relation avec l'amour et avec l'unité qui doit exister dans un couple. Et le Midrash nous dit, la Gemara nous explique, c'est la même faute que Er. Pourquoi Er? Lui faisait la même chose qu'on a, mais pour une autre raison. Il trouvait que Tamar était très belle et s'est dit, c'est devenir enceinte. Ouah, elle ne sera plus aussi belle. Alors ça ne lui convenait pas. Donc de nouveau, il a fait de sa femme un jouet, un objet. Un objet pour son plaisir. Et pas la femme que l'on aime, avec laquelle on construit quelque chose. Alors ça, c'est les fautes de Herve Onan. La faute de Herve Onan, eh bien, ils ont empêché que la vie soit donnée avec la femme qui était la leur. Hein? Er finalement était marié avec Tamar, Onan était marié avec Tamar, et puis ils ont empêché que Tamar puisse avoir un enfant. Et ils ont ainsi porté atteinte à cette mitzvah extraordinairement importante, c'est pour vous, d'accord? Maintenant, j'aimerais... On va dire peut-être le premier paragraphe du Shulchan Aruch Eben Ezer, et puis ensuite on va réfléchir pourquoi cette mitzvah est si importante, en plus de l'explication qui a été donnée par le Chinuch. Alors, Chayav Kol Adam, le premier chapitre de Eben Ezer, eh bien, le premier chapitre, c'est la mitzvah d'avoir des enfants. Chayav Kol Adam, Nissa Ishak, Edel Ifrod Ulirbo. Chacun est obligé de se marier pour pouvoir avoir des enfants. Et tout celui qui ne s'occupe pas d'avoir des enfants, c'est comme s'il était un assassin, qui est le chauffeur d'amis. Il diminue la présence divine dans ce monde. Eh bien, il entraîne que la présence divine s'en va d'Israël. Des mots très forts, hein? Comme quoi c'est essentiel se marier, avoir des enfants. Bechol mi she'en lo isha, le Roma il ajoute, mishawi velo simcha, velo Torah, velo nikra adam. Celui qui n'est pas marié, il est sans bénédiction, sans Torah, n'est même pas appelé Adam. Kivan she'nasa isha, v'notav yipak mikivdei, qui se marie, ses péchés s'envolent. Shenema matza isha matza tov, il s'est marié, il a trouvé le bonheur. Mais la paix gratzon est Hashem, il fait ainsi la volonté d'Hashem et ses fautes vont être pardonnées. Voilà. Alors voilà. Maintenant, j'aimerais vous demander à vous, pour nous aujourd'hui comme juifs en 2021, en Tafshin Peibet, pourquoi avoir des enfants? Il y a une mitzvah de la Torah, bien entendu, c'est la première raison. On fait toutes les mitzvot, même si on n'est pas, on ne comprend pas. Maintenant, alors on a la raison, qui est le pshat du pasouk, qui est là pour développer le monde. C'est très important, parce que quelquefois, les gens méprisent. Ils pensent que seules personnes qui ont de la valeur, c'est ceux qui étudient la Torah, qui développent le monde, sur le monde, plan spirituel. Mais on voit dans le pasouk, il y a la mitzvah, que sur le plan matériel, il faut aussi développer le monde. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous avez peut-être encore d'autres raisons pourquoi vous voulez avoir des enfants? Perpétuer la descendance. Voilà, la descendance, tout à fait. Ari, celui qui n'a pas d'enfant est appelé Ariri. C'est quelque chose comme si ça s'arrête. Alors, d'avoir des enfants, c'est pour toi, avoir une suite. D'accord? Il y a Fémod, tu t'appelles? Michel. Très, très juste. Et toi, ce que tu dis pour passer, pour transmettre ce qu'on t'a appris. Très bien.
Encore une explication. Alors, c'est déjà plus. C'est plus voilà, c'est le judaïsme. C'est, Johann de Raphaël est un peu la même chose. C'est. Alors, parce que dans Bréchit et puis le Chinuch, il a parlé sur le plan matériel. Eh bien, nous, si on veut développer le monde de la Torah, du judaïsme, eh bien, il faut avoir des enfants qui vont continuer le chemin. Non? Donc, c'est déjà quelque chose de plus collectif. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour un Israël. Pour la Simcha aussi, qui amène à la maison. Ah, voilà, ça c'est magnifique. Là, je suis d'accord avec toi. Là, pour la Simcha, la joie que les enfants amènent à la maison. Quelquefois, ils nous font des cheveux blancs, mais en général, après, il y a plus de Simcha que de cheveux blancs. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc. Ça donne de la joie. C'est parce qu'on n'est pas seul, non? On n'est pas seul. On est une famille, non? Chez moi, il y avait pas longtemps, il y avait une petite fille qui était malade. Alors les parents étaient très 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 occupés. La future avarienne. Voilà. Et puis, et ben les frères et sœurs, ils ont tous aidé, téléphoné, aidé, venir, machin. Maintenant, au Hachem, ça va mieux. Ma fille m'a dit, ouais, combien c'est bien qu'il y a une famille. Combien c'est bien qu'on a une famille. On n'est pas, pas seul. Sur l'un, sur l'autre. On n'est pas seul. Non? C'est très bien ce que tu dis. Voilà. Alors peut-être qu'on va ajouter encore un petit point. C'est de peuple juif, on a pris beaucoup des enfants. Alors, vous avez compris, hein, il faut qu'on assure la pérennité du peuple d'Israël. Et puis, si on parle des Juifs en Israël, vous savez qu'on a un gros problème en Israël. Il y a, entre le Jourdain et la mer, et il y a le peuple juif, qui est majoritaire, mais il y a beaucoup, beaucoup de non-juifs. Et puis, il y a un grand nombre d'entre eux qui ne veulent pas de nous ici. Alors, plus on est nombreux, voilà, plus on est la force. Alors, effectivement, en Israël, c'est la moyenne d'enfants par femme est parmi les plus élevées du monde occidental, ou la plus élevée du monde, parmi. C'est 3 enfants en moyenne par femme chez les Juifs en Israël. Et dans les Shtachim, là où on habite, c'est 6-7. Hein, et chez les Haridim aussi, c'est des moyennes comme ça. Voilà, une grande famille. Et en fait, ça pérennise pour le peuple juif. Non? Parce que s'il n'y a pas assez de monde pour habiter sur la terre, après on laisse la terre. On laisse la terre, oui. On laisse la terre. Ouais. Ok. Cool. Maintenant, on va dire quelques mots sur l'âge, mais j'aimerais surtout faire avec vous le Rambam qui, à mon avis, est très, très intéressant. Okay. Alors, il y a une question de savoir combien d'enfants est-ce qu'il faut avoir pour accomplir la mitzvah. Hein? Alors, on va faire ça d'abord. On va aller à la page 2, à la deuxième page. Shulchan Aruch Even Ezer, toujours le même chapitre, le paragraphe 5. Un garçon et une fille, on a accompli la mitzvah. Bon. Maintenant, au chapitre, au paragraphe 8, le même chapitre. Et si tu n'as que des filles, ouais, si on a que des garçons. On a 20 enfants. Que des garçons, que des filles. Vous savez, on fait ce qu'on peut. Hein? Ah. Il y a des tragédies parfois. Je connais une famille, c'est très gentil, à Saint-Bon à l'école qu'on avait. Il voulait un garçon. Il y a eu des filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, le 11e, c'était un garçon. Ah, il faut continuer jusqu'à avoir une fille. Il voulait un garçon. Quand on n'est pas obligé. L'être humain n'est pas. Voilà. Et le garçon. Parce qu'on n'est pas prêt. Puis malheureusement, à l'âge de 18 ans, le garçon a eu un accident et hop, il est parti. Voilà. Ah, on ne peut pas forcer le bon Dieu. Voilà, je ne voulais pas de garçon à la maison. Quoi? Il ne voulait pas de garçon à la maison. Voilà, qu'à dire.
Alors voilà. Alors, ça c'est la mitzvah mina Torah. Mais min rabbanan, vous allez voir la suite du Shulchan Aruch. Afalpi shekiyem piyamei averivia. Donc même s'il a eu deux enfants, il a avec en plein mitzvah piyamei averivia, la souvent la mode de l'Oïcha, il ne peut pas rester sans femme. Le tsarich isa isha bat bani, il faut qu'il se marie avec une femme qui peut avoir des enfants. S'il en a la possibilité. Alors, il y a ici une mitzvah d'avoir une grande famille, c'est une mitzvah midrabanan, qu'on apprend du pasouk. Le shevet yeshara, lo le taubra, que Dieu a créé le monde pour être habité, donc plus on est, le mieux c'est. Mais la Torah nous dit ici, attention, qu'un l'obligation n'est pas totale. Im sipek beyado. Sipek beyado, c'est s'il en a la possibilité. Non? La possibilité. Alors, donc on voit ici la possibilité de ne pas avoir des enfants un après l'autre, si on ne peut pas. Non? Et c'est très important, cette notion-là. Les moyens financiers, les moyens financiers, tout à fait. Sipek beyado, c'est d'abord les moyens financiers. Non? Il y a même dans la paracha de Miquet, on nous dit que Yaakov, il a eu ses deux enfants avant la famine. Et Mara nous dit, parce qu'au moment de famine, il ne fallait pas qu'il amène des enfants. Hein? Ça veut dire que si on n'a pas les moyens financiers, il ne faut pas... Ça veut dire que... Voilà. Alors c'est une question très intéressante. Alors, le garçon et la fille, ça ne se peut pas repousser. Parce que ça, c'est la mitzvah Torah. Celle-là, ce n'est pas marqué si pégué alors. Tu n'es pas tout comme... Si tu as un grand cas de force majeure, tu n'as pas trouvé de femme. Alors, tu ne peux pas. Voilà, tu n'as pas trouvé avec. Mais dès le moment qu'on a la possibilité, il faut avoir un garçon et une fille. Maintenant, pour les enfants en plus, eh bien, la halakha, en tout cas, clairement, c'est explicite dans le Shulchan Aruch, que c'est selon les possibilités. C'est les possibilités économiques, c'est les possibilités psychologiques, c'est les possibilités, c'est toutes les possibilités. Voilà. J'ai eu un téléphone parce que j'ai souvent ces questions de quelqu'un, c'était sur les moyens de contraception qui ne convenaient pas, donc on a autorisé un autre. Et il m'a dit, le type, il a dit, mais ma femme, c'est encore un enfant, elle en a eu 4 ans après l'autre, elle ne peut pas, hein, c'est schlombait, j'ai plus de... j'ai plus de couple. Mais en fait, si on lit le Shulchan Aruch, c'est clair qu'il n'y a pas une obligation d'avoir un enfant un après l'autre. Et si on regarde le texte tout à la fin que je vous ai rapporté, eh bien, on voit même l'autorisation d'avoir des relations avec sa femme et puis de faire quelque chose pour empêcher qu'elle ait des enfants. Alors, à l'époque, le moyen contraceptif, il n'y avait pas de pilule. Alors, et puis, il n'y avait pas de... comment on appelle ça ce qu'on met... Préservatif. Quoi? Préservatif. Préservatif. Voilà, on va voir ce qu'il y a. C'est une sorte de préservatif. Hein? Ce que la Gemara parle. Aujourd'hui, il y a deux moyens. C'est... Alors, on met quelque chose, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en français. Enfin, mais qui tourne les moyens. Aujourd'hui, il n'y avait pas tous les moyens modernes, n'existaient pas. Non? Et alors, Tane Rav Bibi Kamede Rav Nachman. Rav Bibi a enseigné devant Rav Nachman. Shalosh Nashim Mishamshot Bemor. Trois femmes, eh bien, elles ont une relation sexuelle avec un mort. Un mort, c'est remplir l'endroit d'un tissu ou de coton pour que. Lorsque le sperme va sortir, il va être absorbé par ce tissu. Voilà. Et Ktana, Mouberet ou Menika. Celle qui est petite, celle qui est Mouberet, celle qui est enceinte, et celle qui allait. Pourquoi? Je n'ai pas trop compris. Elle dit que quelqu'un qui est marié avec une femme, ça n'existe plus aujourd'hui, mais une femme qui est jeune, qui est Ktana, est petite. Quand? Alors, il ne faut pas qu'elle ait un enfant maintenant. Parce que c'est dangereux, elle est trop jeune. D'accord?
Pourquoi? Parce que. Petite, c'est au-dessous de 12 ans. C'est dangereux pour sa santé. Alors, en principe, une jeune fille moins de 12 ans, elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais il peut y avoir une exception. On ne sait jamais. Alors, comme on ne sait jamais, alors ça, c'est une relation avec elle, avec le mort, en mettant ce coton à l'intérieur d'elle pour que le coton observe, absorbe le sperme. Bon, vous verrez, une femme qui est enceinte. Alors, on ne connaît pas aujourd'hui qu'une femme enceinte redevienne enceinte une deuxième fois, mais peut-être. Hein? C'est pas possible. Pratiquement pas possible. D'accord? Mais un risque peut-être, hein, sur 1 million, il y a des choses qu'on ne sait pas. Oménica. Maintenant, ce qui arrive, ça expliquerait le dîme là. C'est, il y a des femmes que lorsqu'elles sont enceintes, le sperme leur fait du mal. Il y a une allergie au sperme à ce moment-là. Alors la femme, elle souffre. Quand? Quand elles sont enceintes. Quand elles sont enceintes, oui. Voilà. Oménica, une femme qui allait. Normalement aussi, il n'y a pas d'enfant. Aujourd'hui, ça arrive quand même. Mais la Gemara dit, Ktana shematitabe ve shematabut, elle devient enceinte et puis que ça va créer sa mort. Mouberet, shematase ubra sandal, enceinte, ça, que ça fasse un tort à l'utérus. Et Ménica, pas l'utérus, à l'embryon. Ménica, celle qui allait. Schématiquement, elle devient enceinte, alors elle n'aura plus de lait et le premier enfant va mourir. Voilà. Tu peux avoir des relations avec ta femme alors qu'elle est enceinte? Bien sûr. Bien sûr, non seulement tu as le droit, on a une obligation. On va voir ça tout de suite, on va voir ça dans le Rambam. Un couple marié a une obligation de relations sexuelles. Elle n'a pas dit, on dit attention, tu ne sais pas. Si à chaque fois la femme, elle tombe enceinte. Alors, ça fait bon. Alors, pendant qu'elle est enceinte, les risques sont. Oui, bah oui. Ils sont pas grands. Voilà. Ouais. Mais c'est important de savoir. Bon, maintenant, deuxièmement, une femme peut devenir enceinte quelques jours dans le mois. Donc, il y a des gens qui savent connaître ce que son corps ne vont pas avoir de relations pendant ces jours-là. Et puis, le moyen, c'est de mettre à mort, d'avoir un moyen contraceptif. Bon. Alors, Rabbi Meir, donc Agmara, il avait donné un moyen contraceptif. Et les Chachamim, ils ont dit, c'est pas nécessaire. Okay. Divrei Rabbi Meir, le dernier livre, les Chachamim ont dit, Machatzou, Machatzou, Meshameshet, Ketako, Voilà, bon, ok. Il a besoin de relations normalement, pas besoin de mettre le mort. Omenashami, Yerachmou, Meshum, Shenemar, Shomer, Taim, Hashem. Alors, pourquoi les Chachamim s'opposent? Alors, il y a des Rishonim qui expliquent que la raison de l'opposition, c'est Rashi et Tosfot, c'est parce que ce n'est pas une relation normale d'avoir de mettre le sperme dans un coton. Quand? Mais la plupart des Rishonim, on n'a pas ici du tout de ce problème-là. Le problème est uniquement un problème de santé de la femme. D'après la mère, on est obligé pour empêcher que la jeune fille, elle est jeune, eh bien, il y a un dommage à l'enfant qui est déjà né ou un enfant à l'embryon. Donc, il y a une obligation. Et les Chachamim disent qu'il n'y a pas d'obligation. Pourquoi il n'y a pas d'obligation? Parce que le risque est mineur. Ce sont 3 personnes qui, normalement, ne doivent pas devenir enceintes. Hein? Et voilà. Maintenant, de là, on apprend. Et là, on apprend que si, pour une raison ou une autre, la femme ne veut pas devenir enceinte, raison de santé, raison psychologique, raison machin, elle a déjà 3-4 enfants, et voilà, et si peur, elle a vu, comme on a vu dans le Shulchan Aruch, elle n'est pas obligée d'en avoir plus, eh bien, qu'il est permis d'avoir un moyen de contraception. Est-ce qu'on peut retirer de cette gemara? Elle prend la pilule ou pas, la femme? Comment? Elle prend la pilule, la femme? Elle a le droit, bien sûr. Il n'y a pas un problème de Zeralemata? Non, justement, c'est ce que tu apprends de cette Gemara. D'après sauf Rashi et Tosfot. Zeralevatala, selon toi, s'il y a Zeralevatala, parce que la femme ne peut pas devenir enceinte, alors on arrive comme ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on n'aurait pas le droit d'avoir des relations avec sa femme lorsqu'elle est enceinte.
Non, non, je veux dire, quand après les deux enfants, ils ne veulent pas en avoir plus. Oui. Alors, ils ne font pas la mitzvah de Rabbanan. La mitzvah de Rabbanan, on a vu que ce n'est pas une obligation absolue. C'est selon les possibilités. D'accord ? Donc, on a donc le droit d'espacer. D'accord ? D'espacer, de ne pas avoir trop. Selon... Ce n'est pas que je suis contre les avoir des enfants, j'en ai très. Voilà. Baruch Hashem. D'accord ? Mais ce n'est pas une obligation. Pas chacun doit faire comme j'ai fait. D'accord ? C'est pas une obligation. C'est important de savoir la vérité. C'est vous qui avez voulu les 13 enfants. Vous vous êtes dit, avec votre femme, on veut 13 enfants ou Non, on a dit, on veut ce qu'Hachem va nous donner. Voilà. Je n'ai pas donné d'ordre au bon Dieu. Voilà. Et puis lorsque ça s'est arrêté. J'ai rien fait pour arrêter. Et puis, voilà. Et c'est la bénédiction qu'on a eue d'Hachem. Voilà. Combien vous avez de petits-enfants, vous? Ben Porat Yosef. C'est pas que j'ai pas dit ça pour raconter que j'ai 13 enfants. J'ai dit ça pour comprendre. Je suis pas quelqu'un qui est contre d'avoir des enfants. Hein? C'est un grand bonheur. Hein? Ça, souvent, les gens m'appellent pour les contributions. Hein? Je donne les autorisations nécessaires. Je dis toujours, attention, quelquefois c'est des jeunes, ils ne veulent pas tout de suite, etc. Il dit, vous n'imaginez pas quel bonheur c'est d'avoir des enfants. Quand. C'est le plus grand bonheur. Quand. C'est magnifique. Quand. Alors c'est vrai que ça demande du travail, ça demande des efforts, c'est pas... D'accord. Il y en a qui est très jeune, par exemple, il n'a pas encore construit sa vie, quoi. Oui, alors... Il n'a pas le droit de repousser un peu la mitzvah jusqu'à qu'il y ait une construction. La vérité, plus j'étais plus jeune, je n'aimais pas donner ces autorisations-là. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. Parce que quelle est l'autre alternative, c'est de ne pas se marier. Alors, il vaut mieux se marier et puis d'avoir une relation normale, le bonheur, le plaisir avec son épouse, et puis de repousser les enfants que de ne pas se marier. Non, c'est comme honnête. Hein, ils ne peuvent pas avoir d'enfants maintenant parce qu'on ne peut pas. Quand c'est comme aujourd'hui, c'est marqué à Shulchan Aruch qu'on n'a pas lu, c'est entre 18 et 20 ans qu'il faut se marier. Pratiquement tout le monde repousse parce que c'est pas possible. Vous voyez, même si on termine l'armée il y a 21 ans, ici ou 22 ans. Alors, donc on ne peut pas se marier si jeune en général. Il faut au moins. Donc il faut prendre toujours en considération la notion de honnêteté. En cas de force majeure. Voilà. Alors, donc à la fois, c'est une immense mitzvah d'avoir des enfants, mais au-delà de deux enfants, c'est une mitzvah de Rabbanan qui dépend des possibilités. D'accord, voilà. C'est ça que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais, si vous avez encore un petit peu de temps, vous expliquer quelque chose que le Rambam, l'ordre du Rambam des mitzvot, qui n'est pas que l'ordre du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a dit qu'il faut se marier pour accomplir la mitzvah d'avoir des enfants. Donc il a lié le mariage avec le fait d'avoir des enfants. Bien entendu, il est d'accord qu'on peut avoir des relations même lorsqu'on ne peut pas avoir d'enfants. Voilà, jusqu'à 120 ans, on a le droit d'avoir des relations. Il y a le mitzvah, si on est capable. On a une mitzvah. Mais l'ordre était clair dans le Shulchan Aruch, toute Marie, c'était comme on a lu ça, on a dit, voilà, c'était dans le Chayav Kol Adam Nisa Isha, que dès les fraudes de l'Irbon. Chacun a l'obligation de se marier pour pouvoir avoir des enfants. Le Rambam, vous avez regardé où ça se trouve, le Rambam, c'est à la page 2, tout en haut, il chotishut. Alors, il y a quatre mitzvot dans les lois de Ishud, les lois du mariage. Yesh b'klala arba mitzvot. Deux commandements positifs et deux commandements négatifs. Bezeh portan. Et voici le détail. Nisa isha b'ktuba v'kidushit. De se marier selon les règles. Deux, shelot ibay isha b'lo ktuba v'kidushit. De ne pas avoir une relation sexuelle avec une femme sans être marié avec elle.
3, c'est le gymnase Aksut Va'ona. Qu'il ne refuse pas à sa femme les trois obligations essentielles d'un mari, qui est de donner la nourriture, les vêtements et la relation sexuelle. On a la relation sexuelle. 4, les frottes de l'irbot humaine, avoir des enfants. Avoir des enfants, il a mis tout à la fin. Et puis ensuite, dans le livre lui-même, la notion du mariage se trouve dans le premier chapitre et la notion d'avoir des enfants dans le 15e chapitre. Hein? Alors regardez comment il dit les choses. Kodem Matan Torah, avant le Matan Torah, Haya Adam Poria Isha Beshuk. Un homme rencontrait une femme, Imratsahu Vehi, Lisa Oto, s'ils étaient tous les deux d'accord de se marier, de vivre ensemble, Marnissa le Beito, Boala, Beno le Benatsmo, Petiela le Isha. Il n'y a pas besoin de faire de mariage, ça coûte moins cher, il l'amène à la maison et ça devient sa femme. Qui m'a dit la Torah, dès que la Torah nous a été donnée, Nistavu Israël, c'est un homme qui veut marier une femme, Yikne Ota Trila Bifne Edim, qu'il la marie devant des témoins, Bachakar Tielo Le Isha. Après, ça sera sa femme. D'abord, il faut la marier et ensuite avoir des relations. Et bien, comme ça se passe aujourd'hui en Occident. Le mariage, c'est un commandement positif de la Torah. C'est-à-dire, pas l'obligation de se marier. Mais si tu veux avoir une relation avec une femme, tu es obligé de te marier d'abord. C'est ça la mitzvah. D'accord? Et puis, ensuite, il y a toutes les lois entre l'homme et la femme, les obligations, etc. Au chapitre 15. Si la femme, elle est prête à renoncer à son droit de relation sexuelle, par exemple, il veut voyager en route Slares pour la Parnassa, alors il ne va pas pouvoir faire la Ona comme l'obligation de la Torah. Puis alors elle permet, elle est d'accord, car il est soldat. Et puis il ne peut pas rentrer à la maison chaque fois qu'il y a la mitzvah de Ona. Hein? Alors, si elle permet, elle permet. Ben, mais Dvorim a mouru, quand les choses ont été dites, Beshayu lo banim, qu'il avait déjà des enfants, c'est qu'il faut qu'il y ait mitzvah de Piria Verivia. Avanim lo kiyem, s'il n'a pas encore accompli la mitzvah, Hayav divol b'chol ona. Eh bien, il faut qu'il ait une relation avec eux trois fois, selon les règles de chaque fois. Ashur abanim, jusqu'à ce qu'il ait des enfants, mais des shemitzvot assez shel Torah, shel nema pour vous. C'est vrai comme les enfants, on arrive par la salle ou plus vite ou non. Alors. Genre, est-ce que ça aide si le bon Dieu t'aide, il t'envoie la par la salle. Alors, nous, on croit qu'un Kodesh Boku nous aide, mais c'est pas une promesse echomrim. Toutes les promesses oui, d'un Kodesh Baruch Hu, c'est pas comme les 5 shekels, tu as ton coca qui est sauf. Ouais. Mais effectivement, je crois qu'un Kodesh Baruch Hu aide les gens à s'en sortir. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez des choses très intéressantes. Il n'y a pas une mitzvah de se marier. Et ça, si tu veux te marier, eh bien, tu dois le faire selon les règles. Et tu n'as pas avoir de relation avant le mariage. Alors, pourquoi il n'y a pas une mitzvah de se marier? Alors, l'explication, à mon avis, est très simple. C'est d'après le Shulchan Aruch. Il y a une mitzvah, si tu veux te marier, marie-toi avec ou pas avec Kiddushin. Quand? Le Shulchan Aruch, il a dit, un homme doit se marier pour avoir des enfants. Quand? Le Rama n'a pas écrit comme ça. Il dit, tu veux te marier? Très bien, magnifique. Mais il faut faire les kiddushin, il faut faire un mariage, et seulement après tu peux avoir des relations. D'accord? Comme ça qu'il a écrit le Rambam. Alors pourquoi il n'a pas marqué qu'il y a une mitzvah de se marier? Eh bien la raison est très simple. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger? Ouais. Oui, mais pourtant il n'y a pas un commandement positif de manger. Est-ce qu'il y a une mitzvah de respirer? Non. Est-ce qu'il y a. Alors, j'avais fait un shiur klali à la yeshiva. Sur les obligations enoshiotes,
et les mitzvot. Tous les êtres humains, même si tu n'es pas juif, non, même si tu n'es pas religieux, eh bien, dans ce cas, il veut y avoir une femme. Non. Alors, la mitzvah de la Torah, ce n'est pas le fait de vouloir se marier, parce que ça, c'est. Chaque être humain veut vivre avec une femme. Hein? La mitzvah, c'est de le faire selon les règles de la Torah. Hein? Maintenant, qu'est-ce que tu vois dans l'ordre du Rambam? Que le mariage et les relations ont une valeur en elles-mêmes, pas seulement pour avoir des enfants. Hein? Puisqu'il a fait 14 chapitres pour parler des obligations d'un homme envers sa femme, parmi lesquels il a mis l'obligation d'avoir des relations intimes. Hein? Et puis ensuite, il nous dit, ah, et si elle renonce, tu peux renoncer. Ah, non, 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 seulement si ça demande déjà des enfants. Hein? Donc c'est important de savoir que le mariage, c'est d'abord une relation d'amour qui ne commence pas par la sexualité. Hein? Parce que si c'était la sexualité, il fallait faire des essais d'abord, hein? Voir si ça convient. L'amour, c'est d'abord la volonté d'un homme et d'une femme de construire quelque chose ensemble. Quelque chose ensemble, c'est, ça soit matériel, spirituel, créer une famille de Torah, de Yirat Shamayim, etc., etc. Et puis, dans ce cadre-là, eh bien, il y a les relations intimes qui vont souder le couple, qui vont faire Bassar Echad, qui vont faire que c'est comme une seule et même entité, hein, une même entité. Et dans cette entité-là, il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Hein? Donc c'est important de comprendre que se marier, ce n'est pas seulement pour avoir des enfants. C'est se marier parce que le mariage doit être le fruit d'un amour et puis d'une volonté de vivre ensemble. Voilà pour aujourd'hui. Oui? Pour revenir au début, pourquoi R il a été puni? R il a été puni parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant, parce qu'il ne voulait pas que sa femme devienne enceinte, parce qu'elle deviendrait moche. Okay. Alors, et là on voit que on peut ne pas avoir d'enfant. On en a déjà deux. Et puis que Midrabanan, si on a la possibilité, on va en avoir plus. Si on n'a pas la possibilité. Non? Alors, qu'est-ce qui s'appelle possibilité ou pas possibilité? Ça, c'est individuel. Hein? C'est pas. Voilà.